Mais sinon, non, j'ai jamais référencé de run sur console. Parce que j'avais pas à l'époque un boîtier d'acquisition. Maintenant j'en ai un, mais donc je vais peut-être speedrunner Mario Odyssey, je verrai. Je verrai ça. Bah disons que sur PC, t'as quand même pas mal de jeux qui sont aussi sur console, donc du coup, j'ai que la Switch. J'ai pas la One ni la PS4. Enfin, à l'époque, j'avais pas trouvé l'intérêt de les prendre, étant donné que... Enfin, si je devais prendre une console, enfin, à l'époque... Hé, j'ai sauté. Ah non, il y a un problème. Ouais, j'ai sauté, mais bon, c'est pas grave. Je crois qu'il y a un souci. En fait, je dois pas sa... Je prends pas assez d'élan à mon avis. Faut bien que je recule. Je prends pas assez d'élan. C'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend, hein. On apprend par l'échec. C'est l'essence même du speedrun. C'est les 23 h. Dernier coup, et si je foire, si je foire, j'arrêterai. Et puis certainement rendez-vous demain pour ceux qui veulent revenir. Sinon à la prochaine, d'accord, ça va complètement. Bah, je quitte pas tout de suite, hein, mais j'annonce pour les prochaines fois. Donc tous les soirs à partir de 20 h normalement. Des fois ça peut arriver que je speedrun pas du tout. Enfin que je stream pas, je veux dire. Ça arrive, mais normalement je fais toujours l'effort de faire vers 20 h, tous les jours, pratiquement. Bah, en fait c'est là, d'accord. Donc là on recule bien. Ah, je comprends pourquoi, d'accord, ok. J'ai compris pourquoi il y a la note qui s'affiche, parce qu'en fait c'est la note de la caméra. Et du coup, comme j'appuie rapidement, forcément... Donc voilà, on sera certainement pendant un petit moment sur Outlast. Et après, normalement, c'est Dark Souls. Ça sera dur, Dark Souls. Que le 100% avec un petit peu l'expérience que j'ai, on peut progresser assez rapidement. Parce que je connais bien le jeu. Après sur Dark Souls, faudra être patient. Faudra être patient. Pas mal là, hein. Pas
pas mal l'exécution, le truc de la porte, ça fait gagner. Ça fait gagner du temps de l'enchaîner du premier coup, forcément. Donc là, on a peut-être gagné peut-être 2-3 secondes si on continue comme ça. Ouais, c'est pareil. C'est pareil le truc. À chaque fois que je l'entends la faire, ça me stresse ce truc. Tu sais, c'est comme les gamins là quand tu te bats dans la cour d'école, le mec qui est vénère parce qu'on l'a trollé ou parce que tu sais on l'a fait chier. Et là, c'est excellent ce truc. Ça me fait toujours penser à ce gamin, tu vois, qui s'est fait martyriser dans les cours d'école parce qu'il est impuissant. Et, tu vois, le mec est vénère. La bave et tout là. Ça me fait marrer, c'est pas marrant hein, mais ça me fait marrer. Oh Dracolos. Eh, hey, y a les anciens qui reviennent ou quoi là? Que se passe-t-il? Comment tu vas Dracolos? Ça fait plaisir de te revoir. What? Et je suis vraiment sincère quand je dis que ça fait plaisir puisque c'est des anciens viewers qui étaient là pas au tout début, mais il y en a que oui, il y en a ça fait longtemps que je les ai plus revus. Quand je dis longtemps, des fois ça fait 4 mois, 5 mois ou 6 mois, mais quand même. Voilà, donc c'est sincère tout ça. Bon, après, si c'est des mecs qui ont follow et à qui j'ai pas parlé, forcément je m'en rappellerai pas trop des mecs. Mais quand il y en a qui ont un peu parlé sur le chat, plusieurs fois, on s'en rappelle. Moi je m'en rappelle en tout cas. Ah non, mais en fait, quand tu restes appuyé sur courir et avec une phase où il y a une animation, en fait, ça annule le bouton de course et du coup, ça fait un fail. C'est bizarre. Allez. En fait, ce truc-là est super simple. Oh! Oh! On a réussi. Serait-ce un signe? Coïncidence? Je ne pense pas. Ça m'a toujours fait marrer, ce truc. Coïncidence? Je ne pense pas. Merde. Putain, j'ai failli louper. Pas trop faire le fifou, quand même. Foiré.
Tchap-tcha. Je sais pas pourquoi je dis ça. Enfin, si. C'est dans Star Wars, mais. Ça me fait marrer. Tchap-tcha. Les Ewoks. Ah, d'accord. Décidément, on passera jamais. On passera jamais ce truc. Ouais, non, je l'ai changé, ouais. J'ai changé en fait le nom de mon pseudo. C'est la même chaîne, c'est juste que j'ai changé le pseudo. C'est pour ça que peut-être que t'as été dérouté. Bah, c'est plus facile pour les viewers. Tu vois le truc? Ah putain, à chaque fois je le rate. Je sais pas à quoi c'est dû, mais bon, c'est pas grave. Oh, ce saut, quoi. Bon, si on est à Richard Trigger, je tenterai pas la strat de psychopathe là. Attends, je te réponds après. Nice. On a failli être repoussé par le jeu. Oh, je sais pas si vous avez vu, il y a eu un petit, il y a eu un petit push là. D'où vient Oggy? Je ne sais pas. Je me suis levé le matin, je me suis dit tiens, c'est pas mal. Non, d'où ça vient? En fait, ça vient d'un ancien pseudo. Attends, parce que j'essaie de me concentrer et en plus les trucs passent du premier coup. Ça serait pas mal quand même. Mais c'est une bonne question. En fait, si tu veux, je me suis jamais vraiment identifié à un pseudo. Mais si tu veux, dans Harry Potter, il y avait un. Je sais pas, à l'époque, j'étais gamin et puis je savais pas quoi prendre comme pseudo. Alors j'ai regardé une affiche de Harry Potter et il y avait le Hogwarts Express. Et je m'étais appelé à l'époque Hogwarts. Et je me suis dit, c'est un petit peu trop compliqué à prononcer pour les gens. Et du coup, je l'ai raccourci. Je me suis fait, tiens, Oggy, c'est plus simple, c'est. C'est pas, c'est venu comme ça en fait. Hein, je me suis dit, il faut le raccourcir le machin et voilà. Donc voilà, c'est pas, il n'y a pas vraiment d'histoire. Tu vois, c'est pas. Il y en a qui ont vraiment un pseudo. Il y a vraiment un truc derrière. Moi, c'était vraiment le hasard quoi. C'était voilà. Tu vois un petit peu le truc. Est-ce que ça a répondu à ta question? Le 100% doit être chiant parce que tu dois penser à tout. Oui, tu as parfaitement raison. On doit penser aux notes et aux documents. Alors la mémoire pour moi, c'est pas un problème parce que je suis quelqu'un qui mémorise assez vite. Donc c'est pas ça le souci. Le souci, c'est les glitches comme d'hab. Quelques glitches
qui sont pas évidents. C'est une run très technique. Et des fois, il peut arriver que ouais, tu oublies une note ou un document, ou alors tu filmes mal une séquence et du coup, t'as pas la note. Ouais, c'est pas évident. Donc voilà. Ah ouais, d'accord. Je crois qu'il faut alterner S et espace. C'est ce que j'ai fait. Ça a marché. Donc on peut se dire que c'est peut-être ça la technique pour la voir un peu plus régulièrement. Nice. I had to burn it. All of it. Murkoff took so much from us. Used us. Oui, c'est invalidé. Il faut avoir les 62 notes et documents. Bon. Normalement, c'est bon là. Normalement, à chaque fois qu'il dit lunatics, ah voilà, merci. En fait, la dernière fois, moi, j'ai fait un bon temps, mais j'ai oublié la note là, celle-là, que je vais prendre. Je l'ai oubliée. Elle est facilement, bah, justement, facile à oublier. C'est très facile à oublier comme note. Parce que, voilà, il faut aller dans le coin. Waouh ! J'ai tellement eu de la chance, parce que j'ai ripé sur le clavier. Oh là là. Ah, bien joué. Bon. Premier tiers réussi. Il y a encore deux autres tiers. C'était pas mal comme exé. Mail ward. Non, on splittera après. C'est dans le rouge, mais c'est. On n'est absolument pas dans le rouge. On est dans une bonne run. Le truc est complètement pété. Parce qu'il se base sur le temps, forcément, pété. A little cardio wouldn't kill you. Okay, here we go, arms and legs inside a car at all times. Putain, 2h30, combien d'heures? 2h44 de stream. Ça sera la dernière run. Si je foire, c'est terminé. Bon, papotons. You know, I love the mountain air. Alors, qu'est-ce qu'il y a de... Il y en a qui regardent la Games Done Quick un peu ou pas? Moi j'ai regardé un petit peu. Il y avait des bonnes runs, notamment Skyrim. Oh, le jeu complètement pété quoi. La téléportation avec les chevaux. Oh, le mec, il traversait la map. Oh, le mec, il traversait la map. Mais putain, c'était violent, quoi. Ah oui, bah ouais, mais comme ça fait longtemps que t'es pas venu depuis le temps, forcément. Ah non, je réussis beaucoup plus qu'avant. Hein. Ah, Richard parle toujours trop. Ce mec là, il la boucle jamais. C'est un délire. Ça dure 6 minutes la cutscene, hein. Je l'avais timé, ça dure à peu près 6 minutes. C'est long. Ça peut te sortir de la run. Ça peut te sortir de la run, moi ça va, ça me perturbe pas trop, mais ça te fait une pause, ça te permet
de te reconcentrer ou pas, hein, c'est... Ça dépend. Holier than thou, Bible thumping. No offense to the man, but I sometimes worry he might just be a little bit crazy. It's understandable. Maybe people get scared. There is like to turn to God as anything else. And God died with the gold standard. We're on to a more concrete thing now. You have to rob Paul to pay Peter. There's no other way. Tu dois voler Paul pour payer Peter, pour payer Pierre. What? Mais de quoi il parle? Il est complètement fou, ce mec. Believe. Ouais. Ça dépend. Ça dépend, je t'ai dit, ça dépend vraiment des joueurs, ça dépend de beaucoup de choses. Hein. Bah après le truc c'est que là il y a le glitch le plus dur. Mais je vais pas le faire parce que il y a de grandes chances pour que j'y arrive pas. J'ai pas assez de practice. Ça serait trop risqué. Donc on va assurer le machin. Comme ça on finira la run. Mais ici c'est tellement compliqué pour avoir la note, faut vraiment pas foirer parce que il faut attendre. Petit doigt pour souper. dans le Glock, ce jeu est très fort. C'est dommage que le 2... Attends. Ben, on le verra pas, mais ce qu'il faut se dire c'est qu'il est très dur. Un petit peu comme le Mail Ward. Hey buddy. Le Mail Ward, ouais, le Mail Ward, c'est ça, ouais. Mais là on va pas faire la strat, on va pas la faire. Parce que normalement je dois passer à travers ce mur, mais il est très très compliqué ce... Cours. On va perdre beaucoup de temps, mais bon, on va assurer le truc, hein. Du coup, ça te fait un détour de la mort. Et normalement, j'arrivais ici avec le glitch, donc ça permettait d'aller très vite. Mais pour assurer la run,
Ça nous fera un temps référence. Voilà. Voilà. Ok, parfait. On va peut-être réussir à finir une run. Si je fais ça, c'est pour la batterie de la caméra. Nice. Attends. Hop. Parfait. Ouais, on est pas mal là. On est vraiment pas mal là. Merde, putain. Je suis pas assez collé. Oui, la petite animation rapide. Jolie. Oui, pas mal. Nice. Ah oui.
Et merde. Allez, on est pas mal, on est pas mal. Allez, allez. Dernier truc un peu chaud. Et après, c'est bon. Voilà. Ah, vas-y, prends-le. Ok. Je l'ai pas eu. Ah putain, c'est pas vrai, putain. Bon, après, on a de la chance, c'est que on repop ici. Ah putain, cette porte. Bébé. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah d'accord. Je vérifie si j'ai. Non, mais je l'ai eu. Ok, parfait. Parfait. Bon, et après, il n'y a plus de trucs durs. Hein. Donc, on est bon. Ah, je suis content. Comme quoi j'ai dit que c'était la dernière, et ben voilà, la dernière aura été finalement la bonne. Alors dommage à ceux qui sont partis, ils sont partis trop vite. Parfait. Ah merde. Pas grave. Oui, parce qu'en fait, c'est le nombre de fois où on l'a utilisé. Donc, tu vois,
dans la run, on l'a utilisé presque 15 minutes. Je crois que c'est en temps réel, hein, mais... En fait, elle prend en compte que quand on l'utilise. Donc logiquement, si tu te trimbales avec la caméra pendant tout le jeu, tu auras 6-7 heures d'enregistrement. Je l'ai pas eu. Ouais, je l'ai eu. Faut pas foirer. Ah putain, mais c'est pas vrai cette porte. Il y a un souci. Ah. Ouais, d'accord. Nice. Nice. Fucking nice. Yes. Yes, yes, yes. Parfait. Désolé. Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 notes. 8, 8, il nous en reste 8. Trois heures 6 de stream. Pas mal quand même. Pas mal. D'habitude, je fais pas aussi long. Functions of cells to produce molecules, but
Parfait. Désolé si je parle pas beaucoup, hein, je suis assez concentré dans le dernier la dernière partie. Ça aurait été éprouvant. Hein. Après 3 heures de stream, j'ai fait un petit peu de la merde à un moment donné. Comme quoi, il suffit de se calmer et puis voilà, c'est tout. Hein. C'est pas sorcier la méthode. Hein. Ouais, c'est mon premier PB sur le 100%, c'est bien. Je pense n'avoir loupé aucune note et document, mais on sait jamais. Outlast nous réserve toujours des petites surprises. Merci ceux qui ont follow récemment, ça fait plaisir, et surtout merci à U1P pour son donation, même si c'est qu'un euro, c'est très gentil d'avoir fait ça. C'est même plus que très gentil parce que oui ben je l'ai eu, je l'ai mis en ligne sur mon YouTube le 61/62, t'inquiète pas, je l'ai mis. Ah, t'as dû voir alors ma vidéo, non? Parce que c'est exactement ça, il manquait un document. 61. Il y en a une dernière à pas oublier. C'est une note. En général, les notes, je les ai tout le temps. J'ai toujours les 62, mais c'est vrai que les documents, c'est ça en fait qui... C'est marrant parce que les notes sont quand même plus difficiles à obtenir, étant donné que il faut filmer, tu vois, des persos. Mais non, c'est pas ça que je loupe, c'est les documents. Donc, méga loul. Ouais, un petit 43-40, un truc comme ça. C'est encore mieux que la dernière fois. La dernière fois, j'avais fait 44-20. Donc ça va être un temps référence. Hein. C'est un très bon temps référence. Ouais, c'est ça, l'estimation est bonne. 43-39. Ouais, peut-être même un peu avant. Ouais, quoique. Non, c'est 43. Ouais. 43-35, c'est encore mieux. Alors maintenant, voyons voir si on a toutes les notes. Hein. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31. Déjà, les notes, on les a. 18, 19, 20, 21,
30, 31. Et oui, les gars. Et oui. On a réussi. Bon, parfait. Parfait, parfait. Do you want to save? Oui. Quarante-trois, 35, 83 centièmes. Ah, mais t'étais toujours là, One P. You One P. T'as, faut que je m'en rappelle. T'es bon à CSGO, One UP. Enfin, j'imagine que oui, parce que tu m'as dit que tu tryhard à mort. Alors, les survivants. Il y a Dracolos, mais Dracolos est arrivé un peu tôt. One UP. Wisebot et Nightbot. Ah, et Lausanne, et oui, il y a Lausanne aussi. C'est vrai. Par contre, il y a un bot, c'est marrant, Faigwent. En fait, c'est un bot qui permet aux streamers de faire du follow pour follow. C'est un concept que j'ai du mal à comprendre parce que, en fait, si je suis déjà allé dans ce type de chaîne qui te dit bon, on fait du follow pour follow, hein, tu suis ma chaîne, je suis ta chaîne. C'est, enfin, je trouve ça marrant, quoi. C'est, moi, ça me fait délirer, mais je veux dire, ok, d'accord, mais si tu viens jamais sur ma chaîne, quel est l'intérêt? Je vais avoir des followers AFK, ça me sert à quoi? Bon, pourquoi pas? Allez, pour augmenter un petit peu tes followers parce que t'es en rate de followers. Ouais, bon, d'accord, ok. Pourquoi pas? Mais bon, c'est un petit. Je veux dire, si tu. Imagine le mec qui fait du follow pour follow. Et genre, il a 1 million de followers, t'sais. Mais en fait, c'est que des followers AFK. Donc en fait, tu vas jamais. Il a toujours 0, 0 viewer, mais il a 1 million de follow. C'est un concept, hein. Pourquoi pas, hein, mais bon. L'utilité de Twitch, c'est d'avoir des viewers, pas des followers, en fait. C'est là où les gens se trompent. Hein. C'est vrai, ça. Il faut pas regarder le nombre de follow, en fait, c'est le nombre de viewers qui fait la popularité du mec. Non, c'est parce que je regardais Faigwen, c'est pour ça. Dans le chat, c'est pour ça que ça m'a. Ok, bon, très bien. Ouais, il y en a qui aiment. Ouais, il y en a qui aiment. Ouais, bon. Ouais, mais c'est un peu bizarre quand même, Draco. C'est un peu bizarre, non? De faire ce. Ah, Whistler, non. Ok, très bien. On va écraser tout ça. Non, c'est très bon temps. Alors, ça me dit 42-43, mais il s'est un peu planté, machin. Light split, c'est pas exactement ça. Hein. Ah non, c'est predict time. Ouais, mais pourquoi il met 42-43 sur. C'est pas du tout ça.